Ma meilleure momie. Dans le désert, des archéologues trouvent un scarabée doré. Attention, la caverne aux merveilles va s'ouvrir! Et ça active un piège qui fait disparaître le professeur en charge. Professeur Elliot? Vu qu'on l'a vu se déplacer sur le côté 2 secondes avant, ça a dû être un sacré tour de prestidigitation de faire ça aussi vite. Protéger les pingouins de la fonte des glaciers, c'était une des missions les plus difficiles qu'on ait jamais eues. J'en viens vraiment à me demander si toutes vos meilleures missions ne se déroulent pas hors champ. C'est le concours de l'élève la plus charitable de l'année. Vous auriez eu aucune chance de toute façon. Et puis, est-ce que l'établissement organise un concours toutes les putains de semaines? La gagnante du concours de l'élève la plus charitable de l'année est... Mandy. Oh là là! Ça me la coupe! Je suis la plus généreuse, puisque je leur ai promis de faire don de mon rubis monté sur une bague d'or 24 carats. Ce geste a dû faire pencher la balance en ma faveur. En faire don pour quelle cause exactement? Oui, j'ai promis de le donner au responsable du concours pour avoir cette récompense qui signifie rien. J'ai songé à passer sous la table aussi, mais ce coup-ci, ça n'a pas été nécessaire. Un peu plus tard dans la journée, Mandy fait accidentellement tomber la bague en question devant Clover. Mais quelles étaient les chances! Puis nos filles se font whooper en plein milieu du terrain de sport durant un match de foot! Bien sûr que personne ne remarquerait ça! Oh, vous êtes exactement dans les temps pour votre travail intermittent. Vous avez saisi, là? Intermittent. Ok, tu le cherches un peu, mec. Arrête de faire des jeux de mots, vas-y. Il leur montre l'incident d'intro et leur rapporte le témoignage de l'assistant de l'égyptologue disparu qui parle d'une malédiction. Ah, une malédiction, mais c'est très dangereux. T'inquiète pas, Alex, les malédictions, ça n'existe pas. Tout comme les aliens et les artefacts magiques qui aspirent la jeunesse, vit dans le monde réel, ma fille. Et puis, il s'agit d'une vraie disparition, pas de celle du Père Noël. Oui, c'est vrai. Parce que le Père Noël a disparu. Ah, Alex, ta naïveté a quelque chose de vraiment mignon. Je vous ai fait une bonne blague. Je sais bien que le Père Noël vit en Laponie bien au chaud dans son igloo rempli de milliers de jouets merveilleux. Vous savez, c'est assez marrant. Avec tous les machins mystico-trucs-muches que la série incorporera, jamais ils ne confirmeront l'existence du Père Noël. Ça aurait été un sacré épisode à voir. On les envoie donc enquêter à Oxford, car c'est de là que viennent tous les archéologues notables, où elle tombe sur l'assistant, et qui n'a pas eu de coup de foudre dernièrement? Sachant que tu l'as déjà vu sur un écran, mais j'imagine que l'effet 3D réel, c'est pas pareil. Nous sommes les Spice du groupe, moi c'est Sam, et voici Clover. D'accord, si vous avez pas besoin de cacher votre identité, pourquoi porter cette tenue? Je croyais qu'on devait retrouver le professeur Elliot. Oui, mais je crains que son calme soit désespéré. C'est terrible, il a été victime de la malédiction d'Amun-Ra. Oui, j'ai fait des études scientifiques. Ce garçon, Yann, qui possède ses propres chauves-souris domestiques dans son sarcophage d'intérieur... Ça peut être que ça, comment elles auraient pu entrer et survivre là-dedans? Les emmène au tombeau et leur parle de l'autre scarabée d'or. Si l'on arrive à assembler les deux scarabées comme les pièces d'un puzzle dans le tombeau du temple d'Isis, ils procureront à la personne qui les possède la vie éternelle et la toute-puissance. On n'a jamais vu ce genre de magie avant dans cette série. Arrivées là-bas, elles trouvent un passage secret vraiment difficile à voir. Aussi qu'il est tombé ici, ça expliquerait les circonstances de sa disparition. Une fois de plus, faire qu'on ne voit pas ça en l'espace de 2 secondes, c'est de la grande prestidigitation. On est sûr que c'est pas ce magicien de Transylvanie qui est derrière tout ça? En avant donc pour la recherche du second scarabée. Si on se met à creuser, on en a pour des siècles. Eh, n'oublie pas notre turbopelle 2.0. Je crois que je vais lâcher ce truc de malheur. L'engin tomba à court de batterie au bout de quelques semaines, après avoir rasé plusieurs villages et tué des gens par centaines. Bref, elles finissent par trouver l'objet dans un coffre bien en évidence au milieu des ruines. Vous voulez vraiment me faire croire que personne n'a pensé à ouvrir ça avant? L'endroit s'effondre et Yann et Alex disparaissent à leur tour. Aucune trace de Yann ni d'Alex.
complexe. Maintenant, on doit aller rechercher en plus du professeur. Tu ne trouves pas étrange le fait que seul le professeur ait disparu dans la tombe? Pourquoi pas Yann, puisqu'il était avec lui? Sauf qu'il n'était pas que deux sur les lieux. Personne n'a pensé à interroger le caméraman? Bon, la fausse piste évidente ayant eu son temps d'attention, nos filles partent fouiller le trou et ne tardent pas à affronter un sous-boss de Megaman. Une chance que cet engin opère la gueule ouverte comme ça! Pourquoi il le fait en fait? À l'intérieur, elles retrouvent leurs amis ligotés à l'égyptienne. Quand notre épisode a un thème, on s'y tient jusqu'au bout! Et elles y ont droit à leur tour, à part le vrai cerveau derrière tout ça. Professeur Elliot? Surprise! Après, faut dire que c'était du une chance sur deux. Le caméraman était trop évident. Bon, ses motivations sont assez chiantes. Il veut accomplir le rituel pour avoir l'immortalité, le pouvoir, les tickets resto illimités, blablabla. Et incroyable, ça marche! Ô serviteur du tombeau, venez engendrer le désastre et semer le chaos. Et à côté, le Père Noël, c'est n'importe quoi, bien sûr. À part ça, nos héroïnes doivent se tirer de là. Essayez d'atteindre vos rouges à lèvres laser et dirigez-les vers l'endroit d'où sort le sable. Vous allez voir. Ou juste sur vos bandelettes, ce serait encore plus simple. J'imagine que ça nous fait un petit cours de chimie. Ça a marché! Elle rejoignit ensuite le méchant au temple d'Isis, qui est dorénavant tout puissant. Et on va mettre des gros guillemets sur ces derniers mots, car il suffit de séparer les scarabées pour tout défaire, et leur pupus personnel vient donner un coup de main. Ah, comme le monde est petit. Merci pour le service, ça a été super. Vas-y maintenant, Vitaly. On raconte 10 ans plus tard qu'elle cherche encore un foyer. Certains l'auraient aperçu au loin dans les contrées du Nord. Va, Turbopel, trouve ta voie. Indiana Jerks perd son mojo et se voit promptement arrêté après ça. Puis c'est l'heure de la révélation choquante, Mandy n'est pas si charitable que ça! Je trouve que c'est une imitation parfaite. Comme pierre de synthèse, ce faux rubis est une vraie réussite. Faux comme... faucheton? Évidemment que l'organisation ne penserait pas à vérifier une telle chose! Après, j'avoue, c'est un concours de lycée. Je comprends pas, Clover. Pourquoi tu n'as pas dit à tout le monde que la pierre de Mandy était fausse? J'ai renoncé. Je me suis dit que ce n'était pas très charitable d'agir de cette façon. Parce que c'est charitable de laisser des gens se faire rouler en connaissance de cause? Ils le découvriront par eux-mêmes à la toute fin de toute façon, et ouais, karma, tout ça. Mais elle est fausse. Honnêtement, si c'est pour que ça se résolve comme ça, c'était bien la peine que Clover ait mis la main dessus. Et le fétiche du jour est... le bandage à l'égyptienne.